Et bonjour à tous, ici Victor. Samedi 10 novembre 2018. Black Ops 4, Xbox One. On va terminer la série des cartes. Alors. Donc. Il nous reste rien à faire. Je crois Payload, Seaside, Slums, Summit. On va commencer par Payload. Alors, les boss. Nouveau recru. Combien on en met ? Alors, j'entends rien à mon casque. Allez, c'est bon, on est parti. Pépère, hein. Juste pour faire voir l'environnement. Pelote, ça veut dire charge utile. Alors, pelote, pelote. Tout le monde sait déjà comment ça va se terminer. C'est parti. Match à mort par équipe. Éliminez tous les ennemis, soldats. Le collègue, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il a? Il joue ce botch à la con? Non mais rade-moi ça, non, il fait du sur place, on dirait. Là on va le surveiller, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Hein. Non mais ils font n'importe quoi. Détecteur paré. Ah. La neige tombe, elle ne viendra pas ce soir. Leur infirmier est mort. Voilà, comme ça, ils auront pas de piqûre de rappel. C'est vraiment les bots, ils sont là, et puis hop, il y aura de la lune. Non mais c'est vraiment un recrut féminable. C'est minable, vraiment. Ah bon, on est là pour regarder le décor. Allez, on va pas recommencer. Détecteur prêt. La moulage. Bon, Payload, il y a deux parties dans Payload, hein, je crois, il y a deux zones. Hein. Essayez de monter dans la deuxième zone, parce que c'est un peu chier. Je crois que dans Skyrim, moi Skyrim, ça m'a... La première fois que j'ai vu dans Oblivion, ces rues bordées propres et tout. C'est bruit, ça fait, non? La boutique est ouverte.
Détecteur lancé. Un tireur d'élite à couvert. Quoi, à couvert ? Dacom, envoyez un drone au-dessus de moi. Eh bien, les mecs. Détecteur déployé. Leur infirmier est mort. J'ai plus noobie que... Ouais. Bon, alors, on pourrait... Bordel, là, c'est du Black Ops. C'est du Black Ops. Bois sans issue. Bois sans issue. On a pris le contrôle. Ici Crash, demande le largage d'un colis stratégique. Détecteur lancé. Allez, arrête tes conneries, arrête tes conneries! Si on voit un boss qui regarde la lune, peut-être on arrivera à le tuer. Là, il faut pas, il vaut mieux pas. Détecteur lancé. Ah, enfin la neige. Putain, elle veut tirer. Pas cet atelier. Choc gravitationnel disponible. Ah. Impulsion lancée. Détecteur prêt. Et les bots, par ici. Détecteur lancé. Par ici, les bots.
ici Crash. Autorisation d'envoyer un foudroyeur pour attaque au sol. Détecteur lancé. On y est presque. Terminez le travail. Neutralisez-les. Le temps est presque écoulé, donnez tout. Oui, bon, c'est bon. On a fait la carte. Hein. Voilà, allez, on a fait la carte. On peut même regarder le paysage. Cet énorme viseur qui est là, qui me bouffe le 10% de la visée. Allez, c'est bon. Le camp. Les objectifs de mission ont tous été atteints. Avec Victor Noobie, plus Noobie que Paul Sarotry. Leur infirmier est mort. Alors pour ceux, on est le 11 novembre demain, pour ceux qui veulent voir un film qui est très intéressant sur la Première Guerre mondiale, je ne sais pas s'il y a encore, vous allez sur Netflix. Et vous tapez, alors je ne sais pas s'il est en anglais, hein, alors en français c'est Les Sentiers de la Gloire. Les Sentiers, S-E-N-T-I-E-R-S, Les Sentiers de la Gloire, ou en anglais, The Path of Glory. The Path, alors j'appelle The, T-H-E, Path, P-A-T-H, of, O-F, The, T-H-E, Glory, G-L-O-R-Y. The Path of the Glory, ou The Path of Glory. Et vous verrez, il y a Kirk Douglas qui interprète le rôle d'un colonel dans les tranchées de 14-18. Et ce sont les désertions et les crosses en l'air à l'époque de l'offensive du général Nivelle. Alors on y va. On va changer de carte. Qu'est-ce que ça se passe? Ah ouais, alors. Alors, donc après Payload, c'est quoi? C'est Suicide, non? Suicide? Bon, Suicide, on va la faire à la fin parce que je l'aime bien. Alors, on va faire Slums. C'est un peu lourd du jeu. C'est un peu lourd et mou du genou parfois. Bon, sinon il y a des problèmes de co. Hein. Des fois je tire le premier, bon, pas là, mais bon. Malgré ça, je me fais déglinguer. Hein. Slam doué, pourquoi pas, hein, c'est bon. Sors, corps à port. Allez, on fait juste un tour du bâtiment, comme ça, rapidement, de la carte qui est déjà connue. C'est un transfuge de... C'est une carte qui était déjà sur Black Ops 2, je crois. Donc c'est un remastered. Bon, ils ont arrangé les couleurs. Ils ont modifié quelques lignes de tir. Ils ont bouché certaines lignes de tir. On va pas y rester longtemps. Match à mort par équipe. Bon, là, c'est standard. Hein. Ne laissez personne derrière. On arrive là-bas. Putain, Victor, c'est toi que tu as un fusil mitrailleur, hein. Tu rames, Victor! Putain, le bol, c'est... Oh! Bon, alors, on va continuer, hein, on va faire le tour.
Donc... Fil barbelé paré. On s'en fout. Allez. C'était bon, je pense qu'ils l'ont légèrement modifié, je pense. Bon, là, on vient de le faire. Putain, cette fusée reflex, je vais l'enlever. Alors. L'ennemi pose un fil barbelé. Gênant comme c'est pas permis. Alors. On va aller là-bas, on n'y est pas allé. Là. Donc là ils ont. Voilà. Ouais. Il aurait fallu mettre plus de bots à des niveaux très élevés. Voilà, évidemment, ça aurait eu une allure de. Bon, les camions, c'est claqué. C'est parti avec. Allez, c'est bon. Bon, allez, encore un petit tour. C'est pourquoi ils mettent pas en rose les viseurs. Ça donnerait la vie en rose, quoi. Bon, allez, on va y aller. Barricade ennemie. Combattant. Ah. Ouais, mais me faire tuer par des bots recrues. J'ai tellement de soucis en ce moment par rapport à ma maison. Venez vous servir. Une maison, une vieille maison, c'est tous les 5 ans qu'il faut faire. On perd le combat. Qu'est-ce que c'est que cette foule qui ose gueuler là? Mine lancée. Il est posé à barbelé. Putain de viseurs, ils bouffent le champ. Dommage éliminé. Voilà, pour finir en beauté. La carte, allez, c'est bon, dégage. Paré à déployer la barricade. Allez. Après on va aller à Summit. On rentre à la base. On va aller à Summit et après on finira en beauté avec Seaside. Seaside qui est une carte remasterisée de. Alors là, je ne sais pas trop. Ça doit être Sledgehammer. Le studio Sledgehammer. Alors. Non! Alors, on y va. Donc on finit par Summit. Alors, on va faire Summit et on finira par Suicide. On peut mettre un boss de plus. Allez. Plus on est de fous, plus on rigole. Ouais, donc allez voir ce film, Sentier de la Gloire, vous verrez ça.
pendant l'offensive du général Nivelle. Ils en ont eu marre, les troupes. Ils en avaient marre de se faire tuer pour rien, quoi. Parce que les généraux voulaient juste de la gloire pour eux, quoi. Tout le monde sait déjà comment ça va se terminer. On y va là-haut. Match à mort par équipe. Les Black Ops contrôlent la zone. Grenade lancée. Grenade, attention. On a pris l'ordre de l'ennemi. Ce mythe, je m'en rappelle pas, c'est ça date de quoi? C'est un Modern Warfare, je crois. Hein, je crois que c'est un Modern Warfare. Un Sledgehammer, je crois. Putain, ces gros machins, hein, qui te gênent, là, bordel! Putain, il vaut mieux avoir des viseurs simples, hein, nature, hein. Ces grosses merdes, gadgets. Enfin, l'air libre, oh putain. On a perdu le contrôle. Allez, un petit box là. En seconde classe, j'aurai aucune chance. Un box en seconde classe, je le verrai même pas arriver et boum. Alors. J'ai eu prophète. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mal, hein. Ils ont remasterisé les. En particulier les textures. Grenade lancée. Prophète neutralisé. Victor, hein. Putain, qu'est-ce qu'il y avait comme boss? Concentration des boss, hein. Je vais mettre en seconde classe, alors là c'est fini pour moi. Hein. Je peux même pas déambuler. Machine de guerre explosée. Oh. Machine de guerre explosée. Bon allez, on y va, on fout le camp. Allez, j'ai des choses à faire. Alors maintenant on va faire perdu. Ça et les agents terminer. Restants doivent rentrer pour le débriefing. Et on aura fait la série des 14 cartes. Alors on y va. Side.
Seaside, une de mes préférées, une de mes cartes préférées. Alors on va quand même enlever des bots, hein, parce que je tiens pas à me faire déglinguer à chaque coin. Alors. Là, ça ira. Alors, on est parti. Allez, maintenant, si ça arrête. Et là, on va se régaler, on va déambuler. On va déambuler. Alors. Ok, c'est parti. Match à mort par équipe. Continuez la mission. Alors, nous, on va se promener. On est devant. Les textures sont belles, hein. Paré à déployer le fil. Ça monte, ça descend. Détecteur joli, lancé. C'est joli comme tout. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Bien. Y'a l'eau qui coule et tout. Hein. Putain. Ne m'emmerdez pas dans ma promenade. Hein. Il y en a un qui déguste, hein. Ah, il y en a un qui déguste, hein. Et puis là, il a été dopé à la Juvamine. Je vais me promener. Menace éliminée. Ça que j'aime bien, moi. Ça descend, ça monte. Les décors sont magnifiques. Rendez-moi ça, les décors. Rendez-moi ça. C'est encore plus joli que la carte Morocco. Bon, et oh, on peut aller plus loin que là? On n'est pas limité à ça. Hein. Bon, et bien écoutez, je pense à propos de cette guerre, de ces trucs-là, de ces... tuer, ne pas tuer, vivre, ne pas vivre, des trucs comme ça, philosophiques. Je vais commencer à m'y mettre, à faire des causeries avec les cartes. On déambulera dans les cartes, je développerai mes... Mais mes opinions, hein, ce sont mes opinions, chacun a ses opinions, chacun croit en ce qu'il veut, mais moi, bon, je donnerai mes réalités à moi. Hein, au lieu de le faire en face, face to face. Non, regardez-moi ça, c'est ruelle, hop, ça descend ce petit truc. Pourquoi on est cantonné à la zone? Putain, on peut aller plus loin. Fais gaffe. Ah, je m'en doutais.
Oh, y'en a un qui s'est. Détecteur déployé. Barricade est prête. Tempête parée. Gars, il a crevé. Eh oui, la France des années 14-18, c'était une France tranquille, paysanne surtout, paysanne. Où les valeurs étaient surtout agricoles, il y avait très peu, il y avait, l'industrie commençait par émerger. Quand on remonte toujours là, c'est... Bon, voilà Seaside, je pense qu'on peut aller plus, beaucoup plus bas, je pense. On n'est pas dans Assassin's Creed. Hein. C'est bien comme ça. Ça descend. Tacom, envoyez un colis stratégique sur ma position. Détecteur, il y a une grenade qui m'arrive sur la gueule. Pas dans Battlefield. RCX des ennemis dans votre zone. Bon alors il faut se mettre à l'abri. Jamais fait en plus. Drone ennemi déployé. Envoyez un drone de brouillage. Mignon, hein. Ils ont dû se régaler à faire cette carte. Hein. Ah, ils ont dû se régaler. Tireur d'élite ennemi en action. Un combattant. Oh. Oh merde. Shit. Sale boy. Venir. Ennemi repéré. Ennemi repéré. Bonjour Victor. Alors. Il y a plein de gens. Donc
quand je joue, je pense à autre chose. Alors, de façon, je peux pas ne vous reposez pas trop vite. Terminez la mission. Alors. Mort. Oui. Vous avez presque plus le temps, grouillez-vous. Détecteur déployé. Vous entendez la musique de film ? Oh! Les mercenaires y réfléchiront à deux fois avant de réessayer. Suicide, une de mes préférées. Là, on peut y aller, on peut y aller aux pompes, là. Hein. Ah, je pense que... Voilà donc les quatre dernières cartes. Slam, Summit, Payload et Seaside. Voilà donc les 14 cartes standards à l'heure actuelle sur Black Ops 4. Je vous dis donc, portez-vous bien, alors allez voir ce film sur Netflix, les Sentiers de la Gloire, si j'ai mal traduit, faites-le traduire par Google Translator, Les Chemins de la Gloire, The Path of Glory. Avec Kier Douglas, ça vaut le coup, c'est un film noir et blanc, qui a été tourné par celui qui a fait 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a fait Shining, The Shining, qui a fait Full Metal Jacket, donc allez le voir, ça vaut le coup, c'est vraiment, et vous m'en direz des nouvelles si vous l'avez vu, ça me ferait plaisir de le mettre dans les commentaires. Allez, ciao, Jason, bisous, Med, Adam, Jibril, bisous, ciao.